Hey, pour l'instant, nous avons pu récupérer 7 laptops, quelques téléphones, ainsi que quelques clés de carte de transport. Et nous avons aussi découvert qu'ils avaient des facilités d'accès à un garage privé situé non loin d'ici. Qui les a débriefés? Personne pour l'instant. On ne les a pas encore débriefés, mais une fois au poste, ce sera fait. Conduis-les à la cellule anticorruption. Quoi? Ce n'est pas de notre juridiction. Exécute-toi. Et ça s'est passé non loin d'ici? Ouais, juste à 2 pas d'ici. Les salauds. Danny, nous ne sommes plus du tout en sécurité. Tous ensemble dans la même pièce, il suffit d'une seule descente et nous sommes fichus. Et que suggères-tu? Qu'on laisse tomber? Non, pas ça. Tout ce que je dis, c'est que chacun de nous ait son appartement. Je suis d'accord. Eh bien, Jude, tu es toujours d'accord pour tout. Donc, de grâce. Dis-moi, comment peux-tu dire que nous devons partir d'ici? Nous devons tous vivre dans la même maison. Et pour le moment, nous devons faire profil bas. Nous sommes des squatteurs. Et personne ne doit soupçonner qui nous sommes réellement. Je veux dire, ils ne doivent pas savoir pourquoi nous sommes tout le temps et toujours ensemble. Nous ne devons pas nous exhiber avec des choses de grande valeur. Nous ne devons pas avoir des sommes exorbitantes dans nos comptes. Et si quelqu'un essaye d'en savoir plus, il doit voir que nous sommes des jeunes gens, ordinaires, qui ne vivent pas au-dessus de leurs moyens. La cellule anticorruption ne doit rien savoir de nous, et nous ne devons donner aucune raison à la police d'avoir l'œil sur nous. Et c'est bien pensé, Danny, mais nous ne vivrons pas ainsi éternellement. C'est vrai, tu as raison. Je suis d'accord. Mais pour survivre, nous devons être très conscients de l'enjeu. Alors intégrons-lui la partie d'aujourd'hui. C'est compris, chef. Que puis-je dire d'autre? Oui, chef. Tony, que s'est-il passé la nuit dernière? Chef, nous avons arrêté des brigands en plein cambriolage. Vraiment? Mes félicitations. Bien sûr! Tu mérites un Oscar! Tony! Eh bien, ce n'est pas du tout ces gars qui nous intéressent pour l'instant. La cellule anticorruption s'est accaparée de la même affaire et crois-moi, ils font très bien leur boulot. Pourquoi j'ai comme une impression que tu poursuis de simples petits bandits pour te faire passer pour un bon inspecteur? Non, non, monsieur. Chef, ces bandits sont vraiment redoutables. Et en fait, ces gars sont un vrai danger pour la société. Nous ne devons pas attendre. Il faut qu'on réagisse. Tony, mes supérieurs ont besoin de réponses. Tu m'as compris? Oui, chef. Mes supérieurs ont besoin de réponses. Et je ne vais pas du tout rester, les bras croisés, à te regarder, toi et l'inspecteur Meg, me perdre le temps. Chef, je peux vous rassurer que notre enquête avancera rapidement d'ici quelques jours. 4 semaines. 4 semaines, Tony. Et si dans 4 semaines je n'ai pas de résultat, tu seras retiré de cette affaire. Maintenant, sors et ferme la porte après toi. Oui, chef. Hey, bébé. Encore une disparition. Ouais. Encore une disparition, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Bébé, tu ne penses pas qu'il est grand temps que tu mettes fin à cette vendetta? Écoute, parfois, tu sais, la vengeance est vraiment impérative. Et cette fois-ci, c'est le moment. Bébé, j'ai juste peur qu'il te fasse du mal. Salut Jude. Salut Tamara. Où est Danny? Elle discute avec les gars. Qui ça? Tamara, tu lui demanderas toi-même. Sérieux? Pose-lui la question directement. Bref, le grand boss n'est pas content. Quand il revient, dis-lui que je veux le voir, ok? D'accord, boss. Le gouverneur de l'État du Nigeria a exprimé sa déception face au phénomène de cybercriminalité et de blanchiment d'argent qui prend de l'ampleur et ternit peu à peu l'image du pays sur le plan interne, ce qui pourrait potentiellement impacter sur les activités de l'État si rien n'est fait. Toutefois, les forces de l'ordre ont promis de mener une action jointe avec la cellule anticorruption afin de mettre les auteurs de ces crimes sous les verrous dans les plus brefs délais. Le ministère de l'Information et de la Communication a fait une annonce officielle sur la question afin d'interpeller les opérateurs économiques du secteur des médias sociaux. Et pour remédier à cette situation, les sénateurs ont voté une loi qu'ils appellent la loi sur la cybercriminalité. Allô? Monsieur Flint. Si, Eh bien, j'étais en pleine réunion. D'accord, pour ce qui vous concerne, vous et les autres, vous devez régler les derniers détails. Avez-vous effectué le transfert? D'accord, c'est très bien, Eh bien, votre commande va quitter le port aujourd'hui. Si. Oui, Monsieur Flint, vous l'aurez à temps. C'est un réel plaisir de faire affaire avec vous, Monsieur Flint. Si. Yep, c'est vraiment un plaisir. Tony, pourquoi es-tu si difficile? Je ne comprends pas. Oh, qu'est-ce qui me vaut cette remarque? Je veux ce condo. Et tu ne sais pas ce que je peux faire pour l'avoir. Sais-tu ce que ça veut dire? D'avoir un petit condo dans les îles Caraïbes. Et je te dis que je ne peux pas t'en donner maintenant. Est-ce que tu m'écoutes quand je te parle? Tu ne peux pas? Oh, tu ne veux pas? Tony, je ne peux pas. Menteuse. Tu as promis aux parents de t'occuper de moi. Parce que je ne le fais pas? Ah oui, c'est ça. Tu sais très bien que je risque ma vie pour toi et nos parents. Tu n'ignores pas ce que je fais? Flics sont tout le temps en train de fourrer leur nez dans nos affaires. Je ne peux pas dépenser des millions sans laisser de traces. La seule façon, c'est le blanchiment d'argent. Je le veux. Quoi? T'as bien entendu. Je vais intégrer ton équipe, ton groupe, ou peu importe comment tu appelles ça. Aucune chance, Tony. Allez! Ok. Écoute, tu vois Danny? Sa mère a le VIH. Et payer son traitement n'est pas un jeu d'enfant. Et son poste d'informaticienne à la banque ne l'aide pas. S'il ne fait rien, elle va mourir. Et quant à Jude, c'est un orphelin. L'orphelinat qu'il avait recueilli quand il avait 15 ans a brûlé. Et depuis ce temps, il s'est retrouvé à la rue, à se battre pour survivre. Pour moi, tu sais... Je sais, oui. Tu as payé pour mon opération, blablabla. Tu veux toujours être bien vu. Dis-moi, pourquoi tu passes tout le temps à me répéter cette histoire? Parce que je ne veux pas que tu oublies. Ils ne se sont pas retrouvés là parce qu'ils cherchaient la gloire. Ils n'avaient pas le choix. La vie ne leur a pas fait de cadeau. Et maintenant, ils assument les conséquences. Ils n'ont vraiment pas le choix. Dis-moi, toi, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te manque? Je viens avec toi. Non, tu ne peux pas, Tony, non! Écoute, Tamara, c'est ça. Oh, le condo. Écoute, la décision te revient sereine. Pense-y. Passe une bonne journée, Sorette. Je t'aime. Regarde-moi. Oh, petite sorcière. Mon Dieu. Ciao, Sorette. Ok. La lutte contre la cybercriminalité, le vol d'identité et la fraude ne consiste pas seulement à arrêter des gens, à les conduire au tribunal ou encore à enquêter sur eux. Ça consiste aussi à leur passer le message derrière le mot anticorruption. Et c'est aussi pour qu'ils aient une autre compréhension à propos du terme cybercriminalité, fraude informatique et les crimes divers. Seulement l'année dernière, en moyenne, 7,5 milliards de dollars ont été perdus. En matière de la technologie de l'information et de la communication, et aussi des institutions financières, à cause de ces criminels. Alors notre priorité est de mettre la main sur ces criminels. Nous devons relever ce défi parce que ces mecs-là ne plaisantent pas. Ils deviennent de plus en plus sophistiqués en utilisant les dernières technologies. Ce sont les ennemis de notre nation. Pour cela, nous devons absolument leur faire passer ce message par n'importe quel moyen, les gars. Les gars? Chef. Oui, chef. Vous avez du pain sur la planche. Oui, chef. Et par tous les moyens, ramenez-moi de bons résultats. Oui, chef. Une entreprise pétrolière qui se trouve en Russie souhaitait investir ici. Mais le Nigeria a rejeté l'offre. Certains membres du gouvernement n'étaient pas suffisamment corrompus. Nous devons vraiment en profiter. Parce que c'est justement une très grande opportunité pour nous. Dans ces documents, tu as tous les détails relatifs à la transaction dont tu auras besoin. Dis aux gars que j'aurai besoin d'eux. Si ça capote, ils te soutiendront. Former un et travailler ensemble. Ce deal révolutionnera toute une génération, à jamais. Saisissez par la même occasion la chance de changer vos vies. Tu sais quoi faire du téléphone. Danny? 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 Ah. Hey Jude, s'il te plaît, Oui, je cherche Danny. Ok. Oh, ok, d'accord. Allez, tiens. Je t'ai eu. Ouais, tu m'as bien eu, tu sais. Je dois l'avouer. Tu sais quoi, bébé, je ne sais pas nager. Ouais, je te le dis, je ne sais pas nager. Ah, mais arrête, je ne sais pas nager. Oh, non. Je referai mon dû me taire. On verra bien. Ouais. Tu es vraiment drôle, tu sais. On verra bien. Oh mon Dieu, encore? Tu es vraiment très drôle. Allez, viens là, je t'aime tellement. Non. Hey, Tam, quoi de neuf? Cool, cool. Sais-tu que je te déteste? C'est réciproque, ma chérie. Alors, c'est ta petite amie? Elle dit que t'es une traîtresse. Jalousie mal placée. Alors? Danny, nous avons un problème. De combien est-ce qu'on parle? Vérifie pas toi-même. Assez pour se retirer. Nous pourrons tous quitter le pays pour de bon. Bref, si cette affaire ne tourne pas au vinaigre. Et pourquoi ça devrait le faire, s'il te plaît? Nous marchons probablement sur une corde raide. Le boss a ajouté que nous devons être précis et concis. Soit nous réussissons, soit nous mourrons tous. Pour ma part, je pense que nous ne devons pas le faire. Non. C'est de la trouillardise. Ne sois pas con, Danny. J'ai de bonnes raisons de ne pas vouloir m'engager dans cette affaire. C'est une grande responsabilité. Comprends que si les choses tournent mal, tu en assumeras la responsabilité. Ça te hantera toute ta vie. On le fait. Danny, je t'en prie, écoute-moi. Tam, ça, c'est une occasion en or. Et une opportunité pour nous tirer du milieu du crime. Donc, comme ça, t'es disposé à tous nous sacrifier pour... Non, 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 non. Je suis disposé à faire tout ce qu'il faudra pour acheter ta liberté auprès du boss et sortir de ce business avec une bonne part de ce magot en poche. Stan, jusqu'à quand jouerons cette comédie? Hein? Si tu veux coincer ces gars, pourquoi ne pas aller à la police? Tu en sais déjà beaucoup trop là. Annie, s'il te plaît, tu peux te taire? Ne me demande pas de me taire. Quel que soit ce qu'a fait Danny, ça fait de moi sa complice. Tout ça parce que tu veux faire je ne sais quoi. Écoute. Même les espions de Kadibé et du Mozart sont bien traités dans le film. Écoute, Annie, tu ne sais même pas de quoi est-ce que tu parles. C'est pourquoi je te demande de fermer ta bouche. Stan, que suis-je pour toi? Un jouet avec lequel tu veux jouer et j'étais quand tu n'en veux plus juste parce que tu sais que je t'aime. Allez, Annie, tu sais que moi aussi je t'aime. Vraiment? Stan, vraiment? Mais tu ne fais rien pour me faire plaisir tant que je ne te ramène pas des informations et tu appelles ça de l'amour. Annie, arrête. Écoute, toute vengeance qu'on se fait soi-même a un prix à payer. Foutaise. Annie, s'il te plaît. Ne me touche pas. J'ai vraiment la rage de les arrêter et de les foutre en prison. Eh bien, je ressens la même chose. Mais on doit attendre. Oh. Écoute, nous sommes à 2 doigts de réussir. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est croiser les doigts et rester concentré. Tony, on ne peut pas gâcher ce qu'on a eu à faire jusqu'ici. Soyons patients. S'il te plaît. Oh, putain! J'aimerais être une avocate. Et moi un docteur. Tony pose la question à Tamara. J'aimerais être une personne riche. Oh, Tamara, ce n'est pas une profession. Mais dis-moi, pourquoi l'as-tu dit? Parce que j'aimerais donner à ma mère et à mon père beaucoup d'argent. Comme ça, ma sœur n'aura plus à pleurer parce qu'elle est pauvre. Tamara, t'es là? Je vais me marier! Regarde, c'est ma bague. Oh, un gros diamant. Je l'adore. Avec qui? Tu n'es pas contente pour moi? Oh, ma sœur va se marier, je suis si contente. Alléluia. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Même pas drôle. Tu ne m'as toujours pas dit qui est le réélu. Qui d'autre? Qui d'autre, Tamara? Si ce n'est pas mon amour. Bien sûr, James. Oh. Tu as dit oui à un criminel? Laisse-moi voir cette chose. Allez, montre-moi. Ah! James t'a demandé un mariage avec cette pacotille? Oh, Tamara, de grâce, respecte mes fiançailles. Et pour ta gouverne, serait ceci est de l'argent et non de la pacotille. Écoute, je ne suis pas parfaite. Je ne suis qu'une vulgaire criminelle comme James. Comment as-tu pu croire que cette pacotille de merde pouvait être de l'argent? Va vérifier par toi-même. Arrête-toi à la prochaine bijouterie que tu vois et demande sa valeur. Avant que tu ne l'exhibes partout, tu seras choquée, je te promets. Mmh. Je m'en fous. Le plus important, c'est que je l'aime. Et c'est tout ce qui compte. D'accord, t'es amoureuse d'un criminel. Ce salaud de radin. Quel dommage. Waouh. Oh oui. Qu'est-ce que tu es? Tu n'es qu'une vulgaire criminelle. Oh oui. Si tu es si intelligent que tu le laisses croire, tu ne refuseras pas ma proposition. Je n'ai jamais fait ça avant. J'ai la frousse. C'est tout à fait normal. Mais regarde le bon côté des choses, hein? Allons. On parle de 50 millions de dollars juste pour toi. Tu n'as qu'à dire oui. C'est ton salaire pendant au moins 20 ans. Dites-moi, et si on me prend? Honnêtement, tu dois savoir que le jour où tu révéleras mon identité, ce sera le dernier jour de ta vie. Malheureusement pour toi, je ne m'arrêterai pas là. Tout ce que tu aimes, eh bien, te suivront dans la tombe. Bienvenue dans ta nouvelle vie. Ok, merci, monsieur. C'est une nouvelle relation qui commence. Amen. Plus d'argent. Amen. Plus de projets. Amen. Beaucoup de réussite. Amen. Santé. La très belle Tamara. Il y a autre chose que je voudrais vraiment qu'on en parle. Ok. En fait, il y a cette compagnie particulière. Et je pense que son histoire va beaucoup t'intéresser. Mm. Le directeur général... est aux USA. Son compte est vraiment plein aux as. Et je pense que nous devons faire quelque chose avec cet argent, ma belle. Pourquoi pas? Je suis partante. Tamara. C'est moi. Plus d'opportunités. Beaucoup plus. Je ne suis pas fière du choix que j'ai fait. Et je ne te laisserai pas faire la même erreur que moi. Jamais. Tu n'épouseras pas James. Tamara. Tamara, tu ne prendras pas ce genre de décision à ma place. Tu ne peux pas dire ça. Tu n'as pas le droit de prendre ce genre de décision. Je sais que je n'ai pas le droit de te poser des questions. Mais n'ai-je pas le droit de savoir pourquoi je fais ce boulot? Pourquoi détestes-tu tellement ce gars? Écoute, tu n'as pas à le savoir. D'accord? Et c'est un moyen pour moi de te protéger de Danny et son groupe. Bébé, tu sais combien je t'aime. Je t'en prie. Laisse-moi partager tes peines. Ensemble, nous nous en sortirons. Alors, je n'aurai plus du tout besoin de faire semblant. Danny et moi étions les meilleurs amis du monde il y a vraiment très longtemps. Nous partageons absolument tout, sans jamais faire de différence. Nous avons trimé pendant longtemps tous les deux. Mais rien n'avait absolument changé avec le temps. Nous sommes même allés à la cafétéria à Serma pour vérifier s'ils recrutaient, afin que nous puissions postuler. Et ce jour-là, pendant que nous attendions, je chattais avec un de mes amis blancs dans un forum de discussion Yahoo Messenger. On s'était rencontrés dans ce forum. Il m'avait demandé si je savais comment faire des boules de cam. Ce qui avait bien sûr commencé comme une grosse blague. C'était le début des problèmes. Il nous avait briefé sur le déroulement de l'affaire et d'autres rudiments. Et il nous avait pris à Daniel et à moi pratiquement 10 000 livres sans toutefois penser à nous rembourser. Le business a grandi et devint plus lucratif. C'est ainsi qu'il devint un expert dans la cam et en a fait son business. Et il devint ainsi le parfait homme de main de ce blanc. Cette nuit-là, il y avait également Tamara et Jude. Les hommes de main de Danny. Avant que la soirée soit terminée, je réalisais que j'étais devenu un criminel comme eux. Danny insistait pour que nous fassions alliance. Bien sûr que j'étais tenté. Il avait l'habitude de dire qu'il avait un sponsor dans le gouvernement. Un homme avec qui il avait une grande affinité. Il conclut l'affaire avec Danny. Et lui seul sait exactement ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai investi dans ce business quelque chose comme 200 000 $. Danny insistait pour que nous partagions l'argent de manière équitable. Je n'aurais pas dû, j'ai merdé. J'ai investi tout ce que j'avais. J'étais loin d'imaginer que Danny pouvait détourner sans aucun remords l'argent. Après tout, j'ai découvert qu'il voulait m'entuber. On me filait. Je me suis enfui sans me retourner. Il s'est enfui avec tout ton argent? Non. Je suis parti avec l'argent. Et tu n'as rien fait pour résoudre le problème? Ce n'est pas comme si j'allais leur manquer. Je veux dire, il avait Tamara et aussi Jude. Je n'avais rien à foutre. Surtout qu'à la base, ils avaient prévu de me voler mon argent. Je te comprends alors. C'est pour cette raison que tu veux le voir tellement tomber. Non. Je ne veux pas seulement le voir tomber. Je veux également qu'il me remette le triple de mon argent. Comment tu veux qu'il le fasse? Bébé, il ne garde pas. Ils ne prendraient pas le risque de garder leur argent à la banque. Ah bon? Tout leur argent est stocké quelque part dans un compte offshore qu'ils ont ouvert. Je peux facilement y accéder en ayant juste l'accès à l'un de leurs comptes. Donc, avoir accès à tous ces comptes, c'est la dernière carte qui me reste. Dis-moi, de combien est-ce qu'on parle? Bébé, tu ne reviendrais pas. Ces gars sont vraiment très très malins. Ils n'accordent pas de l'importance à de l'argent, à un style de vie ostentoire à Dubaï. Je l'ai constaté. Contrairement à mes hommes. Hey, j'ai entendu que... ils ont arrêté les Gomfagi. Et qui est-ce qui l'aurait fait? Gomfa. C'est leur vrai nom, ça. Eh bien, c'est ce que j'ai entendu, je pense. John, je t'ai envoyé l'adresse IP. S'il te plaît, confirme la source maintenant. C'était qui au téléphone? J'ai un contact dans une autre agence. Il est dans le coup. Oh, non, 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 Monsieur Fish. Ah, si vous n'êtes plus intéressé par le deal, je pourrais trouver un autre acheteur. Ok, comme je le disais, nous devons nous rencontrer pour décider de ce qu'il y a lieu de faire. Vous savez, le prix que nous vous avons donné était une remise de 15%, vous-même vous savez. Ok, ça c'est bien. C'est bien. D'accord. Ok, où suis-je censé vous attendre? Oh, d'accord. Je vous enverrai tous les détails. Ok. Ouais, ok, au revoir. Bye. Bon. C'est ça, bébé. Top là. Super. Ouais, nous le tenons. Tu dors encore? Non, je suis vieille. T'es sûr? Et pourquoi tu fermais les yeux? J'évite ton regard. Bébé, joue avec moi. Je ne comprends pas. Tu veux que je me lève? Oui. Bébé, c'est ton téléphone. T'inquiète, ça peut attendre. Vraiment? Ouais. Merci, mon amour. C'est moi. Je sais. C'est mon deuxième nom. Amour. Danny, je veux te voir. Tamara, ça ne peut pas attendre. Logan est là. Bébé. Je ne serai vraiment pas long. Je reviens tout de suite, d'accord? Si tu veux. S'il te plaît, bébé, promis. En fait, le boss a envoyé le plan de la transaction. Alors, que faisons-nous? Si nos comptes sont approvisionnés, ça sera d'ici mercredi. Et comment ça se passera? Donc nous devons attendre son signal pour confirmer la transaction. Exactement, c'est de ça qu'il s'agit. Bébé, ce téléphone t'appartient? C'est quoi cette question? Tu ne connais plus mon téléphone? Je me demande bien comment il s'est retrouvé sur les escaliers. De quoi tu parles? Écoute, je ne sais pas moi, peut-être je l'ai déplacé le matin sans m'en rendre compte. De plus, nous avons passé toute la journée ensemble. Je veux dire, si je n'avais pas été avec toi, je serais allé le chercher. Ton bureau appelle. Ok. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne te regarde pas. Ah. Il arrive. Elle n'était pas là. T'as bien vérifié? Elle n'était pas là, c'est bon. Ok. Ok, continuons. On en était où? Wi-Fi est activé? Ouais, c'est ouvert. Je te l'envoie tout de suite. Et c'est parti, ça se présente ainsi. Tu l'as déjà envoyé? Oui, c'est bon. Il dit que nous procédons de cette façon, ça sera plus facile. Les gars, qui êtes-vous? Et comment êtes-vous entrés chez moi? Ouais, tu as deux options. Soit tu nous suis sans faire trop de bruit, ou tu nous aides à te mettre derrière les barreaux pour une longue période sans voir la lumière. Exact. Debout. Vous êtes en état d'arrestation, Monsieur James. Les mains derrière le dos. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as failli me faire tuer. Je ne comprends pas. Quelqu'un t'a fait du mal dans cette maison? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? J'ai failli me faire prendre à cause de ton appel. Bébé, je ne suis pas devin. Comment j'aurais pu savoir que ton téléphone n'était pas en mode silencieux? Vraiment? C'est ça, n'est-ce pas? Je me sacrifie pour toi. C'est comme ça que tu me remercies. Bébé... Bébé, écoute, j'avais des informations importantes à te donner. D'accord. Écoute, je suis désolé. Ok, viens. Allez, viens. Fais-moi un petit sourire. Un petit sourire pour moi. Laisse-moi tranquille. Tu sais très bien que je t'adore. Pourquoi tu pleures? James a été arrêté ce matin par la police. Ah bon? Très bien, heureusement pour toi que tu n'étais pas là. Tamara, s'il te plaît, aide-moi à le faire sortir de là. Toi et moi savons que je ne suis pas l'ami des policiers, ok? Écoute, j'ai besoin de détails concernant tout ce que Jude est en train de faire actuellement. J'en ai besoin le plus tôt possible, ok? Comment? Écoute, tout ce dont j'ai besoin, c'est de son laptop. Tu dois t'introduire à l'intérieur. Supposons qu'il abandonne son laptop pendant quelques minutes. Comment m'y introduire? D'accord. Comment on fait pour connaître son mot de passe? Écoute, bébé, tout ce dont j'ai besoin, c'est de 10 minutes pour avoir toutes les informations qu'il nous faut. Tu ne m'écoutes même pas. Comment m'y introduire? D'accord, je vais te donner une clé USB. D'accord, tu la connecteras à sa machine automatiquement et elle introduira des virus qui verrouilleront son laptop. Tu as bien compris? Comment avoir le laptop sans me faire prendre? Bébé, écoute, c'est juste un tout petit détail pour toi. C'est un détail pour moi. T'as-tu demandé ce qui m'arriverait si jamais je me faisais prendre? Écoute, bébé... Danny peut être absolument traité de tout, mais ce n'est pas un meurtrier. Vraiment? Ouais. Et il possède un revolver Smith de 2009 qu'il expose aux yeux de tous. Oh, il l'a fait. Dis-moi combien est-ce que ça peut coûter? Sérieux? Aucune idée. Bébé, j'ai besoin que tu le fasses. En fait, il n'y a vraiment pas d'autre moyen. Tu comprends? Garez-vous! Chef. Monsieur, garez-vous, garez-vous! Vous roulez n'importe comment sur la route, vous pensez qu'on ne va pas vous interpeller? Donnez-moi vos pièces d'identité. Chef, j'ai compris, d'accord? Bien sûr, sont vos papiers. Sont vos papiers. Soyez rapide. Pour commencer, Kai, qui vous a donné ce laptop? Pour commencer, donnez-moi le reçu. Bref, tout ce qu'il faut, nous allons ouvrir ce laptop. Je suis un expert en informatique et ce laptop est mon outil de travail. Mes pièces, voilà, tout ce que je veux, ce sont les reçus. Oui, ce sont les reçus que je veux. Connerie! Que voulez-vous me montrer? Apparemment, c'est son véhicule. Que quoi? Vous dites quoi? Regardez bien la plaque d'immatriculation. Non, ça ne peut pas être lui. Ça ne peut pas être lui. Attends, mon frère. Tu ne vois pas qu'il ne ressemble pas à Dadju? Tu vois de quoi je parle? Regarde. Chef, regarde ce qui sort de sa bouche. Regardez sa face. Regardez bien. Sa bouche sent d'abord mauvais. Non, non, non. Ça ne peut pas être lui. Ça ne peut pas être Yaoli. Je connais à quoi ressemble Yaoli. C'est pas lui. D'accord. Lui là, il doit nous trouver un peu d'argent. Oui, il faut qu'il sache qu'il a affaire à la police. Tu me comprends? Oui, chef. Copie-moi. D'accord, c'est compris. Jeune homme, en effet, nous savons que nous perdons votre temps. Mais en tant qu'officier de police, c'est notre devoir d'assurer la sécurité de notre pays. Alors montrez-nous que vous appréciez notre dévouement, trouvez-nous quelque chose. Vous voyez, un peu... J'apprécie vraiment votre travail. Je vois que vous faites du bon travail en assurant la sécurité des personnes. Oui. Votre doléance, vous savez. Wallahi! Je sais ce que vous vivez, je n'ai pas assez de liquidité sur moi, mais... Prenez ça pour votre carburant, du Coca-Cola, tout ce que vous voudrez avoir. Prenez... Hey, messieurs! Kéridé, tu oses le regarder? Hé, mets-toi! Hé, quitte de là! N'importe quoi! Conneries, je vous souhaite tout ce qu'il y a de bien dans la vie, je vous bénis. Ah, quelles sont les conneries que je raconte? Tout ça à cause de l'argent. Si tous les citoyens de cette ville étaient comme vous, Wallahi, tout allait être bien. Ils devraient féliciter leurs officiers. Enfin, vous êtes vraiment quelqu'un de bien. En fait, vous savez, voici ce que je vais faire pour vous. Prenez mon numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone privé. Très bien, nous avons le 00092. Alors, une fois de plus, rappelez-moi. Pourquoi l'affaire piétine-t-elle? En fait, monsieur, nous avons eu du fil à retordre avec trois des plus dangereux criminels de ce pays. Notre source nous a révélé qu'ils sont juste des appâts. Ce n'est pas eux la vraie menace. Cette méthode nous facilite vraiment le travail. Alors arrêtez, ce type n'éliminera pas la menace. Elle va juste la réorienter. Alors nous avons vraiment besoin que ces gars nous mènent à leur parrain. Ce centre. C'est la pure vérité, je vous assure. Croyez-moi, chef. D'accord. Une semaine. Bonne chance. Merci, chef. Des nouvelles du boss? Oui, mais toujours en stand-by. Ça prend trop de temps, je veux dire, nous devons anticiper. On n'a pas d'autre choix que d'attendre, hein? Hey bébé. Désolé les gars. Oui, tu disais? D'accord, gentille fille. Garde les yeux sur Annie. Elle est dangereuse. Je le pense aussi. Je te l'avais dit, je t'avais dit que ce gars n'était pas de concurrent. Je te l'avais dit. Qui peut l'égaler? Sentiment que tu es très très fort, Danny. Geek de la famille. Eh oui, le geek de la famille. En fait, les gars... On refait encore cette piche. Donc, votre cargaison... Attends, je sais comment le dire. Attends, on s'est mis encore en anglais, en espagnol, ou une autre langue. Italien, français. Allô? Allô? Yes, ça veut dire oui, tu le savais. Do you speak English? Ça veut dire parlez-vous anglais? Personne. Allez, les gars, mais les gars, ça c'est le deal du siècle. Tu l'as dit bien fait, mec. Non, ce n'est que le début. Bien joué, mec. Et dire que j'avais peur. Il nous avait prévenu, n'est-ce pas? Il nous avait prévenu. Regardez comment ce négro est habillé, le geek. Un vrai geek. Voici le cerveau de l'opération. Hey, bébé. Je l'ai pas été invité à votre fête. Eh bien, c'est juste pour distresser un peu, tu vois, après tout ce travail. Tu vas bien? Ok, ça va. Joins-toi à nous. Allez, les gars. Allez, viens. Elle ne devrait pas être là. Tiens, Mais c'est bon. Profite de la fête. Alors, comment était la journée? Bien. Ok. Ok. D'accord. J'arrive. Alors, où en étions-nous? Pourquoi tu ne l'as pas demandé quand tu mangeais du rouge à lèvres? Mais je n'ai rien mangé. Bref, laissons tomber, laissons tomber, laissons tomber. Oui. Décroche. Merde. Où est-elle allée? Ah, elle est à l'étage. Ok, je monte, lui dire un mot. Ok, très bien. Pourquoi ne pas arrêter cette musique? Ouais, bébé. Quel est le mot de passe? Le mot de passe. Allô? Annie? Annie? Allô? Annie? 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 Oui, Tamara? Je sors dans quelques minutes, s'il te plaît. J'ai oublié de te dire qu'elle est aux toilettes. Oh, ok. Dans ce cas, je l'attends en bas. D'accord, vas-y. Bébé? Bébé, dépêche-toi, d'accord? D'accord, bébé. C'est maintenant que tu m'appelles. Dégage. Ne me dis pas que tu ne l'as pas eu. Allez, Annie, c'est une vraie catastrophe. Est-ce que tu sais que t'es un sale égoïste? Après tout ce que je t'ai raconté, c'est tout ce que tu trouves à me répondre. Écoute, je suis vraiment désolé, ok? Je le suis vraiment. Mais tous les efforts que nous avons fournis n'ont absolument servi à rien. Est-ce que tu comprends ça? Ok, très bien. Je pense que tu peux passer à la portée des derrière. C'est ce que je veux entendre. Alors, dis-moi. D'accord. Demain, ils seront en mode célébration. tu vois. Une grande fête pour un gros coup. Ils sont sûrs de le réussir. Donc, ils ne verront que du feu pendant que tu entres par la porte de derrière, moi. Je te passerai le laptop. Tu auras un créneau de 15 minutes. 15 minutes. Comment ça? D'accord. Viens près de moi, bébé. Allez, viens. Nous attendons toujours le reste de notre fric. Nous n'avons pas le choix. Le boss suggère que nous quittions la ville. Où serons-nous en sécurité, intouchables? Au Koweït ou Kazakhstan. Au Koweït? Non, pas question. Je ne veux pas la rencontrer sur mon chemin. Eh bien, il est hors de question que nous partions. Sans tout notre pognon. Danny, je t'en prie. Tu dois me faire confiance. Nous sommes tous recherchés. Ils peuvent nous tracer. Nous devons disparaître de tous les radars. Attends, tu étais très proche de lui. Et tu n'as rien vu venir? Il m'a fait une offre. Quelle offre? Tu sais, je savais que vous réagirez ainsi. Je lui ai accordé ma confiance et il a accepté de vous rencontrer pour prouver sa bonne foi. Je t'en prie, Danny, ne sois pas gourmand. Barrons-nous d'ici. Tam, tu as déconné. Ta? Vraiment déconné. Il t'a entubé. Tu ne m'insultes pas. Pas dans le but de t'offenser, mais il a raison. Ok. Je l'appelle pour lui dire que nous sommes toujours partants. Alors quand et où devons-nous le rencontrer? Comme ça s'est mal passé. Ils étaient dans tous leurs états et Danny était si cresta qu'il n'a même pas voulu en parler. Écoute, Annie, nous devons le savoir. D'accord, c'est en ce moment que tu dois le consoler. Ça ne va pas la tête? Non, pas du tout. Au contraire, j'ai tous mes sens. Écoute, bébé, tu dois absolument le faire. Non. Non. Stan, crois-moi, je ne peux plus retourner dans cette maison. Mon amour, s'il te plaît, écoute, rends-le simplement pompette. D'accord, c'est lui qui a l'argent. Poignarde-le. Dans le dos, il fait lui danser le bicabo. Je sais que t'en es capable. Bébé, je t'en prie, je ne veux plus coucher avec lui. Allez, mon amour. Fais-lui cracher le morceau. Emmène-le. À te donner son numéro de compte bancaire. Le mot de passe de son téléphone, et par la même occasion, demande-lui également le mot de passe de son laptop. Rends-le dingue de toi. Écoute, tout ce dont il doit se rappeler, c'est une bonne nuit de sexe. Tu connais le jeu. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas aller jusqu'au bout de ce jeu? Bébé, tu m'aimes. Allez, bébé. Plus que tout dans ce bas monde. Mais il faut que tu le fasses. Tu vois, pour que nous partions vraiment très loin d'ici et vivions heureux à jamais. Ok? Bébé, je t'aime. D'accord. Viens là. Oh, oh non, bébé, je ne veux pas jouer. Non, pas maintenant. Je ne peux pas jouer, d'accord? Allez. Allez, bébé, s'il te plaît, je te veux. Hé, hey, règle numéro 1. On ne touche pas. Je ne comprends pas. Comment ça, je ne dois pas te toucher, je... Hey. Ah, ok, ok. D'abord, je veux que tu me donnes quelque chose. Tout ce que tu voudras. Quel est ton numéro de compte bancaire? Bébé, t'as besoin d'argent? C'est juste un jeu. Ok, ok, d'accord. 1 0 0 2 9 0 9 8 3. 2. Oh mince, bébé. J'ai envie de te faire, bébé. Laisse-moi te prendre. Quel est le mot de passe de ton téléphone? 1 4 1 9. Bébé, vas-y, vas-y, droit au but, s'il te plaît, allez. Oh, je t'aime, tu sais. D'accord. Alors, une dernière chose. Hein? Une dernière. Hein? Quel est le mot de passe de ton laptop? Je ne comprends pas. Qu'entends-tu par mon laptop? Pourquoi? Mais c'est quoi ce jeu stupide? Allez, bébé, excuse-moi, s'il te plaît. Allez, cache-toi, putain. On est venu faire quelque chose. Au lieu de ça, tu me poses des questions idiotes. Quoi? Bébé. Chut. Merde. Bébé, je pense qu'il est désormais temps de partir. Non. Non, bébé. J'ai un plan B, d'accord? J'ai un autre plan. Lequel? Ne fais passer par la porte de derrière. Est-ce que tu es sûr que tu vas bien? Non. Écoute, maintenant, je comprends pourquoi ils ne veulent pas quitter cette maison. Parce qu'ils attendent la visite d'un VIP. En ce moment même, et si c'est aussi important qu'ils le disent, ils ne remarqueront rien. J'attendais juste l'occasion d'entrer discrètement par la porte de derrière pendant qu'ils recevront leur auguste visiteur. Qu'en penses-tu? Que deviendrais-je sans toi? Regarde. Allez, viens là. Je suis sérieuse. Je ne blague pas. T'es rien sans moi. D'accord. Okay. Comme ça, t'es partante? Ouais. T'es prête à prendre des risques? Pour moi. Ou alors t'es prête à profiter de moi. Je suis prête à profiter de toi. Ok, ok. En fait, je te l'ai demandé parce que tu me poses des... D'accord. Qui c'est? C'est Tamara. Que veut-elle? Je le saurai bientôt. Hey, Tams. Oui, désolé, désolé. Ok. Bébé, qu'est-ce qui se passe? Rien, juste un... Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, rien, reste juste là. Quoi qu'il arrive, ne quitte pas ce lit, bébé, ne quitte pas ce lit, reste juste là. Tu sors? Je ne vais nulle part, reste juste là. Mais... Tu es très élégant. Merci, frérot. Alors, c'est le grand jour. Ouais. Depuis ce matin, je ne suis pas dans mon assiette. Je vous assure. Honnêtement, ce n'est pas ce que je voulais pour vous, les gars. Ça va bien se passer. Je ne sais pas, j'ai toujours un mauvais pressentiment. Allez, rien ne nous arrivera. Tout va bien se passer, ok? Allez, hein? Il est là. Oui, passe par la porte de derrière. Oui, oui, d'accord. Ok, bébé, il est où? Le voici. Je l'ai. Bien, je t'en prie, dépêche-toi, le boss est là, c'est ton foutu, c'est la tête de merde. Ouais, je sais, je les veux. L'enfoiré de traître. En fait, j'ai juste envie de le buter. Écoute, ce n'est pas ton affaire, d'accord? Fais ce que tu as à faire et casse-toi. Ouais, c'est bon, j'ai terminé dans quelques minutes. Je t'en prie, fais court, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est fait. Bien, bien, fais-moi voir. Waouh. Super. Ok, alors? J'ai besoin de quelques minutes pour copier le code de décryptage. Fais vite. Ok. Qui êtes-vous? Que se passe-t-il ici? Bien, vous avez le droit de garder le silence, ou alors nous serons obligés de vous lire vos droits sur le champ. Ah. Oh, mais ils essaient de s'enfuir. C'est même pas. Notez-les. Mettez vos mains en arrière. Tout de suite. Doucement. Avancez. J'avance. Enlève tes sales pattes sur moi. Est-ce que tu sais qui je suis? As-tu une idée de ce que tu fais? Messieurs, pouvez-vous Tu es fini. J'en finirai avec vous tous. Conneries. Je vais en finir avec vous, vous allez voir. Bien joué. Attends une minute, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu pointes une arme sur moi? Allez, enlève ce truc de mon visage. Donne-moi la clé. Quoi? La clé. Allez bébé, ne sois pas stupide. Te faire péter la cervelle n'est pas mon intention. Mais si tu me donnes une bonne raison, je n'hésiterai pas. Oh, ok. Oh, ok, ninja. Donne-la-moi. Ceci est une preuve, d'accord? Tu n'as pas de document requis pour la garder. Les mains sur la tête. Les mains sur la tête. Maintenant, avance lentement. 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 Ne t'avise même pas. La porte. Beau travail. Beau travail. La police vous dit merci. Bien sûr, le Nigeria n'oubliera jamais. Beau boulot. Merci beaucoup, chef. Beau boulot. Merci beaucoup. Tes gars et toi avaient fait un boulot fantastique. Tony, baisse ton arme. Tony, voici le détective Ashley. Elle est sous couverture dans cette mission. Pourquoi vous ne m'avez rien dit, chef? De le dire? Tony, si je te l'avais dit, est-ce qu'elle serait encore sous couverture? Ah! Oui? Ah! Salut! Hello. Qui es-tu? C'est bon. Laisse-le partir. Quoi? C'est un agent infiltré. Il était aussi sous couverture. Tony. Je l'ai engagé. D'accord. Ok. Quelqu'un peut-il me rassurer que nous avons des preuves suffisantes pour mettre ce traître de sénateur derrière les barreaux? Je veux dire, est-ce que nous avons des preuves vraiment solides? Oui, chef. Quelque chose pour l'enfermer pour de bon. Tenez, chef. Beau boulot, les gars. Beau boulot. Donc, nous pouvons tout emballer maintenant parce que nous avons terminé avec ce boulot. En attendant, demande à tes autres gars de nettoyer toute la maison. Moi, je vais m'occuper du débriefing. Oui, chef. Bravo. Bien joué. Merci. Bravo. Annie. Comme ça, t'es sous couverture. Depuis quoi? 2 ans, c'est ça? Alors, comment dois-je t'appeler? Qui c'est alors? Annie? Non. Ashley Ogafon. Ah, d'accord. Stan? Non. Good luck en passe. Si je comprends bien, toutes ces histoires sur ton enfance avec Danny... Non, c'était juste du pipeau, c'était juste une pure invention. Et pour ton histoire de famille? Eh ben, c'est la même chose, juste une invention. Alors... Dis-moi cette nuit où je suis rentré saoul, alors que je ne l'étais pas. Pendant que je faisais semblant de dormir, tu m'as dit... J'aurais vraiment voulu ne pas t'aimer. Faites beau rêve, mon amour. C'est un plaisir pour moi de bosser avec toi. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues.